Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver, nous sommes en direct, nous sommes lundi et on démarre tout de suite dans la bonne humeur, c'est parti pour plus de 20 minutes d'interaction avec nos invités du jour, vous allez le voir qui sont deux animateurs qui véhiculent un doux parfum de pain d'épices et de sapin de Noël, la première a incarné pendant des années une émission d'M6 au cours de laquelle elle mettait des paillettes dans la vie des téléspectateurs, le tout à l'aide d'une simple salopette et d'une truelle, le deuxième c'est un fin gourmet révélé dans Top Chef, il a la rigueur d'un grand patron de restaurant mais également la folie d'un jeune saltimbanque en ils vont conjuguer leurs forces pour montrer que le Père Noël n'a pas le monopole du bonheur dans ces fêtes de fin d'année. Bonjour Juan Arbelaez, bonjour Valérie Damido. Bonjour. Merci de nous rendre visite, vous donner le coup d'envoi aujourd'hui de la troisième saison de Mon plus beau Noël. Ce sera à 18h10, hein. On ne rate pas ça sur TF1, c'est du lundi au vendredi, hein. C'est ça, tous les jours de la semaine. Une émission dans laquelle on va avoir des candidats toutes les semaines qui s'invitent les uns les autres et puis se notent. Entre eux, ils doivent exceller sur plusieurs critères qui ont trait à Noël, évidemment. Et la principale nouveauté du côté de l'animation, c'est votre duo. Vous étiez seul, Valérie. On vous a adjoint ce magnifique jeune homme. Est-ce que, après le tournage, je sais pas comment ça s'est passé, vous aviez envie de partager une dinde au marron ensemble ou alors de vous balancer des feuilles de houx à travers la figure? Bah, on est amis dans la vie, donc des dindes au marron, ah, bon, on ça partage va, souvent. Bon. Alors, vous partagez les dindes au marron. On les partage déjà, ouais. Ouais, on les mais partage. À table, en général. D'ailleurs, elle cuisine très, très bien, Valérie. C'est vrai? Ouais. Ah, oui. Moi, je suis à deux doigts de lui piquer ses recettes de lasagne aux légumes parce que c'est une cuisinière exceptionnelle, ouais. Vous pouvez, pour votre restaurant, et puis faire un petit copier. Ouais, je pense que ça marcherait. On a les lasagnes d'Amido. Les lasagnes d'Amido. Comment il s'est formé, votre couple? Sur cette émission, c'était une idée de qui? De la prod. Moi, j'en avais parlé l'année d'avant en disant que c'était un peu, enfin, c'était compliqué pour moi de juger les gens sur la nourriture et de faire, de dire, bah, Nicolas, ta dinde au marron, elle est dégueulasse, quoi. Franchement, bah, celle de Damien est vachement mieux. Non, mais tu vois, c'était un peu compliqué. J'ai pas de légitimité. La déco, oui, mais la bouffe. Je sais super bien cuisiner, mais c'est pas une vraie légitimité. Je trouvais que c'était super sympa qu'il y ait quelqu'un comme Juan, dont c'est le métier et la passion, de venir nous expliquer. Ce que c'est quand même, une dinde au marron. Et moi, quand on m'a proposé, déjà Valérie, c'est vrai qu'on se connaissait un peu dans la vie, c'était assez logique pour moi. J'avais déjà mon émission plus sur TF1, je trouvais que c'était cool de continuer un peu à travailler avec la chaîne. Vous avez fait sur la cuisine du monde. Hein, exactement, Cuisine Impossible avec Julien Duboué qui était très cool. Donc continuer un peu à travailler avec la chaîne, c'était une opportunité incroyable. Et surtout, comme je le dis souvent en plus, travailler à côté de Valérie, qui a quand même une bouteille incroyable, qui a quand même une expérience et une carrière de dingue, pour moi, c'était une fierté et une expérience très cool. Ouais. Alors évidemment, on va voir dans quelques instants exactement de quoi retourne cette émission. Vous allez pouvoir tout découvrir avec Juan Arbelaez et Valérie Damido. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine. Vous savez, cette fameuse page où vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Allez-vous regarder cette émission? Êtes-vous déjà en train de préparer Noël? Qu'est-ce que vous attendez évidemment de cette émission? Que pensez-vous de notre duo? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Ils répondront à tout après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas. Bonjour Valérie. Bonjour. On démarre tout de suite ces news media avec les audiences du week-end. Vous avez choisi quel jour? Alors nous avons choisi de nous concentrer effectivement sur vendredi car c'est ce soir-là que TF1 poursuit la toute première saison de son événement, effectivement Masked Singer. Et si cette émission pilotée par Camille Combal avait fédéré 6,6 millions de téléspectateurs il y a deux semaines, nous vous en avons parlé sur ce plateau, et bien cette semaine, elle a rassemblé lors du troisième épisode 4,8 millions de fidèles, 24,1% de part d'audience. Une baisse donc assez significative. Comme vous pouvez le constater, effectivement. Sur France 2, quant à elle, dégainer le lancement de la série Tropique Criminelle, la fiction française avec Sonia Roland, a rassemblé 4,3 millions de curieux. Vincent Niclot, que nous recevions la semaine dernière sur ce plateau, signe un excellent score en tant que maître de cérémonie cette fois-ci, et non plus en tant que chanteur. Son prime time intitulé 300 chœurs chantent les plus grands airs classiques a fait vibrer les tympans de 2,1 millions de mélomanes. Et enfin, on termine avec M6 qui échoue au pied du podium, la chaîne poursuivez la troisième saison de Boule, la célèbre série. 2 millions de téléspectateurs ont répondu présent. Valérie, vous y étiez en prime vendredi sur TF1 ou pas? C'est une petite question, car votre nom est sorti. Non, mais, on vous soupçonne d'être la licorne. Toutes les semaines, depuis le début, on me dit que je suis la licorne. Absolument. Et vous pensez vraiment que je vais vous le dire? Non, mais je vous pose quand même la question, je tente. Je vous donne mon rib. Non, je ne dirai rien. Vous aimez les licornes, vous aimez les animaux, vous aimez... J'aime beaucoup chanter, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à ajouter. C'est vrai? Non, vous aimez chanter? Les gens ont dit Valérie Damido chante bien dans la vie. J'ai failli faire une comédie musicale, je chante tout le temps en karaoké.
peut même le dire. Toutes les soirées chez Valérie, après la dinde au marron d'ailleurs. Il y a le karaoké. Il y a le karaoké obligatoire. C'est, ouais. C'est comme ça qu'on finit les soirées chez Valérie. Donc, est-ce oui, qu'elle vous reçoit en habillé en licorne ou pas? Je cherche. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On continue, Damien, avec CNews Media, avec Mike Horn, un ouais, célèbre aventurier d'M6 qui apparemment est en grande difficulté dans une de ses expéditions. Oui, c'est vrai, on était persuadé que la détresse était un mot banni de son vocabulaire. Pourtant, l'aventurier qui officie au sein du groupe M6 avec ses émissions, notamment The Island ou encore Cap Horn, court actuellement un grand danger. Selon ses filles, Mike Horn serait en péril près du pôle Nord et souffrirait d'un début de gelure au niveau des extrémités, aux orteils et au nez notamment. Son moral est au plus bas, je ne l'ai jamais vu comme ça, dans un état de fatigue extrême, a déclaré Annika Horn auprès de nos confrères du Parisien. Cela fait plus de 2 mois qu'il tente de traverser à ski l'océan Arctique gelé en compagnie d'un explorateur norvégien. La couche de glace, c'est vrai, le problème, c'est qu'elle est plus fine que d'habitude en raison du réchauffement climatique et ça rallonge son périple. Pour le moment, les deux aventuriers n'ont pas demandé à être rapatriés, mais des sauveteurs sont en train d'étudier toutes les possibilités en cas d'évacuation d'urgence. On n'est pas à sa première expédition. Ouais. Vous pourriez faire typiquement ce genre d'émission. Mike Horn a emmené des célébrités sur M6 pour faire des tours comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable ou alors pas du tout? C'est physiquement très, très, très compliqué. Hein. Bah, lui, je sais hein, déjà. Ah, vous le feriez, Juan? Mais bien sûr, mais lui, il est déjà dans l'avion, il est à l'aéroport, lui, avec sa mère. Des migales dans la jungle, quoi. Mais ouais, bien sûr. Je pense que je chialerais moins que beaucoup qui l'ont déjà fait. Ah ouais? Le gars qui m'a l'air. Non, moi, je pense que ça, j'adorerais le faire si je prenais l'avion. Sincèrement, c'est une expérience que je trouve incroyable à faire. Je dis pas que je chialerais pas ma mère, mais. mais écoute, je pense que j'ai assez de. Solide. Voilà. Ouais, je suis un peu solide dans la tête et je pense que même si je chiale, c'est une expérience à vivre, c'est un truc de dingue à faire. Je pense que ce qui est intéressant dans ces émissions, c'est plus que le fait de réussir et tout ça, c'est aller chercher plus loin de ce qu'on croyait en fait. C'est réussir, on se dit non mais jamais je réussirai à faire un exploit pareil. Et c'est psychologiquement quand on se rend compte qu'on est au plus bas, c'est là où on se rend compte à quel point on est si fort. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans cette émission. On termine, Damien, CNews Media, avec quelque chose de moins dramatique. Oui. On va parler des vainqueurs de danse avec les stars de cette année. C'est vrai. Alors, samedi soir, TF1 retransmettait effectivement en direct la finale de la 10e saison de son célèbre concours de chorégraphie. Et cette année, c'est le nageur handisport français Sami El Guedari qui s'est imposé en compagnie de sa danseuse professionnelle Fovoto. Alors, une victoire nette et sans bavure, remportée grâce à 62% des votes du public quand même. Il succède ainsi à Clément Rémbiens, qui avait remporté la précédente édition en compagnie de sa danseuse Denitsa Ikonomova. Côté audience, pas de quoi sabrer le champagne hélas. Pour TF1, seuls 3 millions de fidèles ont applaudi cette dernière danse, ce qui représente 16,1% du public, un score en nette baisse par rapport à la finale de l'année dernière. C'est Fovoto, la star qui a gagné. On avec est d'accord. Son danseur Sami El Guedari. Je reconnais que dans la culture, je ne connaissais pas le nageur français en l'occurrence. C'est très difficile de battre la fiction de François. Valérie, vous êtes dans la télé depuis des années. Voilà. Vous connaissez. Écoutez, oui. L'érosion, Danse avec les stars, 3 millions, il y a 2-3 ans, on était encore autour de 5. Ouais. C'est une érosion habituelle. C'est une émission qui a sa 10e saison, je crois. C'est logique aujourd'hui. C'est dur d'imposer une marque comme ça sur la longueur. Ah bah, c'est dur, la télé en général. Hein. En général, bien sûr. Ouais. C'est pas forcément une marque. C'est la télé devient de plus en plus dure et de plus en plus compliquée à lancer un programme. C'est pour ça que j'aime pas quand un programme se lance, que tout le monde le... Je parle de vous aussi. Hein, ouais. Que tout le monde s'acharne sur un programme. Parce que quand vous voyez le travail que c'est pour une équipe, hein, je ne parle pas de l'animateur finalement est juste, la cerise sur le gâteau, mais je veux dire le travail qu'il y a en amont pour sortir une émission, le bordel que c'est, Danse avec les stars, l'équipe, ils sont au taquet. Ouais, c'est un truc de dingue. Bien. Moi, je les connaissais, je l'ai fait déjà. Ouais. Et les producteurs, Fred et Déborah, sont vraiment, enfin, toutes les équipes sont vraiment au taquet. Donc, c'est dur quand tu. Y a pas... Moi, de toute façon, tu veux que je te dise, c'est comme les audiences radio. Ouais. Tu sais comment c'est fait, les audiences radio? On appelle les gens, on leur dit « Hey, salut, t'écoutes quoi comme radio ?» Ouais. Donc tout ça, c'est de la merde. Les audiences, le jour où les audiences, ça s'arrêtera, on pourra respirer tranquille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait 3 millions ou 14? C'est la pub. Mais je m'en fous, en fait. Tout ça, c'est de la merde. Laissez les... Voilà. Il y a des beaux programmes, des belles émissions qui sont produites par des gens qui les aiment, qui font ça avec passion. Ça m'angoisse à chaque fois qu'une émission s'arrête ou qu'on la critique parce que l'audience-ci, l'audience-là, c'est tellement éphémère et tellement incroyable, que ce soit la télé ou la radio.
le jour où toutes les télés auront un petit boîtier où on pourra calculer qui regarde vraiment quoi. Hein, mais oui, c'est un échantillon, mais c'est. Qui ont donc. Et on les connaît pas, c'est mystérieux. Mm. Ça se trouve, ces boîtiers n'existent pas. En plus. Grand complot alors. Bah non, mais je veux dire, c'est. Voilà, pour dire que tout ça. Ça empêche, à cause de ces audiences, ça empêche tellement de programmes d'aller jusqu'au bout de la création, tellement d'équipes de continuer. Que je trouve ça incroyable. Ça empêche d'ailleurs la créativité parce que c'est rare aujourd'hui de voir un programme télé qui soit créé en France. En général, c'est des achats. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est déjà... d'un programme qui a déjà fait ses preuves à l'étranger, qui a déjà eu. Regarde, nous, on est un programme typiquement créé par les équipes de TF1, écrit par Thomas Dubois, Julien De Groot, etc. Produit. Fait la troisième saison, c'est tellement dur. Enfin, tu vois, quand... Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Mais non, c'est dur. Donc, moi, j'aime bien qu'on voit aussi le positif dans les choses, dans la télé, en fait. Dans la vie en général, j'aimerais bien qu'il y ait plus de bienveillance et plus de positif. Plutôt que de dire c'est un score de merde, 3 millions, c'est putain, c'est génial, elle a gagné avec Samy devant 3 millions de gens. Yes. Voilà, c'est bien. 3 millions de personnes. T'aimerais pas toi faire 3 millions là sur ta page Facebook? Si, alors là. On va dire ça comme ça. Tout à fait d'accord. On va d'abord diminuer un peu le salaire de Damien qui est bien trop payé. Et puis ensuite, on va penser à faire l'audience. Merci beaucoup. Damien, c'est fini pour aujourd'hui les news. Bah écoutez, vu que je suis plus payé, oui, c'est fini pour aujourd'hui. Ah bah, salut. Allez, à bientôt. Et à la prochaine. On revient tout de suite évidemment avec la grande interview du Buzz TV. Juan Arbelaez et Valérie D'Amido sont en direct. Mon plus beau Noël, saison 3, ça commence ce soir, ce sera à 18h10 sur TF1, c'est du lundi au vendredi. Évidemment, vous ne ratez pas cette émission. Pour cette nouvelle édition, la chaîne a choisi de vous réunir pour arbitrer cette compétition avec des particuliers. Déjà, donc l'émission commence aujourd'hui, on est le 25, on est à un mois de Noël, c'est pile poil ou est-ce que c'est pas trop tôt? Souvent on se dit, oh là, on parle déjà de Noël un mois avant, c'est... Pour vous, non, ça va? Bon, moi, je trouve qu'un mois, ça va. Là, dans une semaine, les gens vont comme... Il y a déjà des gens qui ont fait leur sapin. Oui. Puisque moi, sur Twitter, il y a des gens qui m'envoient déjà leur sapin. Pour me demander de noter, bien évidemment. Font leurs achats de Noël. Les courses de Noël, ouais, déjà. Bah, voilà, en prévision des grèves. Les villes, progressivement, sont toutes décorées. Ouais. Je pense que voilà, puis c'est bien d'attendre un peu Noël. Voilà. Et puis, on parlait de parler de des bonnes choses à la télé, des bonnes nouvelles, des... Et que Noël arrive au mois de novembre, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui, donc, c'est bien. J'adore ça. Il faut mettre ça un petit peu. Alors, comment, pour que les gens comprennent bien, comment l'émission va se découper? Donc, c'est chaque semaine, des couples se reçoivent les uns chez les autres, dans ce format d'émission qu'on connaît bien maintenant. Et ils se notent. Comment ça se passe? Valérie, expliquez-nous un peu juste le découpage. Quatre binômes, ils se reçoivent les uns et les autres. Ils sont notés pour la déco extérieure de Noël, la déco intérieure et le sapin, le dîner de Noël. Très important, le dîner de Noël. La tradition. La tradition. Une grande et tradition. Voilà. Et après, quand le vendredi, je suis dans mon château, et où je reçois les coupes pour la finale. Pour la finale. Ils ont une dernière note à donner qui est la note de l'esprit de Noël. Et la note de l'esprit de Noël, c'est une note, on a l'impression que c'est une note un peu prétexte, mais pas du tout en fait. L'esprit de Noël, c'est tout ce que tu n'as pas pu noter. Tu as trouvé franchement que j'avais très mal cuisiné, mais en revanche, j'ai été bienveillante, il y avait une bonne ambiance, c'était super, ma tradition t'a plu. Les cadeaux étaient super. Voilà, ouais, c'est plus dans l'ambiance, ouais, c'est l'esprit de Noël, c'est plus dans l'ambiance, dans ce que ça véhiculait chez moi. Donc tu vas mettre une très bonne note d'esprit de Noël. Voilà. Et après, bah, le vainqueur remporte un gros chèque. Et c'est super. Et passera sûrement un très beau Noël. Mmh. Comment ça se passe? Alors, on va parler de la cuisine notamment. Juan, vous arrivez, ils ont fait ce qu'ils veulent, vous regardez juste le produit fini ou est-ce que donner des conseils, des orientations avant, comment ça se passe? L'idée à la base de l'émission, c'est que Valérie et moi, on est assis sur le canapé en train de regarder une émission comme tous les week-ends avant le karaoké du soir chez Valérie. En licorne. Et en fait, on regarde et l'idée, c'est commenter aussi ce qui va se passer, commenter ce que... les gens sont en train de faire, c'est leur donner des tips, des conseils. On a une position que j'adore parce que c'est une conseil qui est extrêmement bienveillante. On accompagne un petit peu le téléspectateur en disant, vous voyez, par exemple, dans cette dinde, moi, j'aurais éventuellement des glaçons avec un peu de vin blanc, rajouter peut-être un peu de lait de coco et râper des zestes de citron. Donc, c'est tout un exercice et un travail de conseil et de comment twister en fait ces recettes qu'on a l'habitude, ces grandes traditions de Noël, comment pouvoir les twister pour faire quelque chose de plus sexy, de plus moderne. On a également des tutos qui ont été rajoutés sur le côté cuisine aussi, où on va donner des astuces
de cuisine, de comment faire son foie gras, un petit montage, comment préparer les choses en avance pour forcément avoir plus de temps avec nos invités. Donc, l'idée, c'est donner des astuces et des conseils pour passer un plus beau Noël. Et ce sera dans quel style à peu près? Vous râlez un peu comme Philippe Etchebest ou vous déconnez un peu comme Norbert? Non, ou je pense carrément autre chose. Je pense que déjà, on a… Bon, c'est un juste entre les deux, je dirais. Hein. C'est un entre les deux. Parce que déjà, nous, tous les deux, entre nous, on se taquine énormément. Quand on, dans la vie, au quotidien, on est assez brut et assez… à ses natures, l'émission l'a vécu pareil, donc on va avoir des réponses du tac au tac qui marchent très très bien et qui sont très fun et très drôles. Et en même temps, moi j'ai je suis assez bienveillant, moi j'aime bien rendre service aux gens, j'aime bien être présent pour eux. Quand les gens me posent des questions sur Instagram, et à quel moment je mets le beurre dans une pâte à crêpes, j'aime bien, ou dans une pâte brisée, j'aime bien répondre. Ça a été un exercice qui était très sympa. Moi j'aime pas être méchant avec les gens, et je trouve qu'en plus, quand on cuisine, on met un peu ses tripes dedans, tu vois. Ses connaissances, un peu ses souvenirs. Et c'est hyper compliqué de critiquer la cuisine de quelqu'un. Donc moi, j'essaye d'être le plus doux et bienveillant possible pour essayer à en sortir le mieux. Et franchement, je me suis régalé à regarder parce que de tous les repas qu'on a vus, ça donne vraiment envie. Donc, c'était un exercice facile à faire. Vous goûtez les repas avec eux? Non, nous, notre truc à nous, on est un peu pareil. Ça aurait été le rêve pour nous d'aller chez les gens et de les aider à cuisiner, à décorer, à installer. Mais c'est impossible. Il y a 6 tournages en même temps, 6 endroits différents. On ne peut pas le faire. Moi, j'aime bien être sur le terrain, lui aussi. Moi, on n'est pas des animateurs de prompteurs et de machin. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut comme on veut et on est assez libre. Mais on aurait rêvé d'aller chez les gens, donc on ne goûte pas. Hélas, comme dans Top Chef, on est frustré à chaque fois. Damien. Oui. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Alors, il y a du monde. Il y a notamment MJ qui aimerait avoir les photos que vous prenez très certainement lors de vos soirées assez arrosées, apparemment. Marie, Gilles également. Gilles, il souhaite savoir ce que vous allez faire le 24 décembre au soir, de votre côté, Juan. Moi, j'ai énormément de chance cette année parce que Noël, bon, c'est une période qui est très importante. Moi, je suis colombien de Bogota et c'est une période qui est très, très importante. Donc, Noël, en général, on était une trentaine, une quarantaine quand j'étais gamin. Depuis que je suis en France, ça a un petit peu changé. J'ai de la chance cette année, ma famille vient et on va se faire un grand, grand Noël. Pour le dîner, j'aime bien garder le gros classique, peut-être du chapon. Qu'est-ce que vous faites à dîner alors? Bah, cette année… Je cherche un réveillon là en ce moment. Non mais c'est le chapon, je trouve qu'il y a un truc… Moi j'aime bien changer et twister, mais il y a des certaines traditions qu'on n'a pas envie de trop bousculer. Pour moi c'est le chapon. J'aime bien mettre des pommes de terre au fond avec quelques légumes anciens, donc un peu de rutabaga, des betteraves, du céleri, des topinambours, on met ça au fond. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive, du thym, du citron à l'intérieur de mon chapon, un pain rassis ou une vieille baguette qu'on met à l'intérieur. On fait cuire ça pendant 45 minutes, une heure, ça dépend de la taille du chapon, à 200 degrés. Je laisse reposer dans le four pendant une heure et en fait, tous les jus du chapon vont un peu couler. Le légume qui est en dessous va se gorger un peu de ce jus. J'aime bien finir, comme je disais tout à l'heure, avec un bon zeste de citron vert ou citron jaune. Si on a un petit peu de truffe, bah, c'est du luxe. Mais ce coup d'agrumes, ce coup de zeste va donner un twist au plat qui est juste fantastique. Bon, et après, on se régale à table. Chez vous, ça y est. Valérie, je crois que vous vous écoutez aussi avec… Valérie, vous aussi, c'est quoi Moi, c'est la famille. Ouais, c'est toujours chez moi. Famille et potes, parce que moi, je mélange un peu les deux. On a beaucoup de potes esselés. On a beaucoup de potes qui ont moins de famille. Donc, on est généralement 30 à la maison. Et, c'est le bordel. C'est vous qui cuisinez pour 30? Moi, j'ai la chance d'avoir une belle-sœur et une belle-mère qui cuisinent et une fille qui cuisine. Donc, on cuisine entre meufs. Oui, entre meufs. C'est pour ça que c'est… Il faut quand même que les mecs, vous sachiez que c'est hyper sexy pour une gonzesse d'avoir un mec qui cuisine. Ouais. Je comprends que Laurie soit tombée amoureuse de lui. C'est Laurie Tillman, votre compagne. Mais oui, parce que c'est hyper sexy, un mec qui cuisine. Un mec, tu rentres et un mec qui te dit « Je vais te faire un petit rôti avec des pommes sautées, machin. » Ah bah oui. Bien évidemment. Ça arrive pas tous les jours parce que ce mec sexy qui fait des rôtis tous les soirs n'a pas de salaire, alors il devient moins sexy, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais que… C'est-à-dire qu'il a trop le temps. Mais c'est vachement bon. Voilà. Bon, bref, nous, on cuisine entre meufs parce que bon, j'ai un mec qui est plein de qualités, mais qui ne sait pas cuisiner. Il a plein de qualités, ça. C'est vrai. Voilà. Allez, on va poser une question, tiens, qui s'adresse à vous, Juan. Une question qui n'a strictement rien à voir avec mon plus beau Noël. Apparemment, vous avez tourné une émission qui s'appelle Boyarland. Damien souhaite savoir quel souvenir vous gardez de ce tournage. Des entorses. Ah, c'est vrai.
On rappelle, c'est une émission qui va arriver en début d'année prochaine, hein, qui est un dérivé de Fort Boyard, comme on dit. Ouais, c'est un dérivé de Fort Boyard. C'est dans une... c'est très féerique, parce que d'ailleurs, c'est dans un... Il y a des manèges. C'est un parc d'attractions. C'est ça, c'est un parc d'attractions à la Fort Boyard. Donc, on a toujours ces énigmes, on a toujours ces challenges sportifs. D'ailleurs, j'ai adoré parce que c'est très sportif. J'ai trouvé plus sportif d'ailleurs que Fort Boyard. Et non, tu étais bien content de faire Fort Boyard pour la première fois. J'ai adoré. Hein, c'est, d'ailleurs, c'est Valérie qui m'invite pour. On l'a fait pour C'est que du bonheur, qui est l'association dont elle est marraine. Et c'était une expérience dingue quand on m'a appelé pour Boyardland. J'ai dit oui tout de suite parce que c'est un peu tout ce que j'aime dans ma vie quand je sors de ma cuisine. C'est le challenge, c'est un peu l'aventure, c'est aller un peu à l'inconnu, essayer de se dépasser. Et j'ai adoré, en plus je l'ai fait avec ma femme, avec Laurie. On était avec Richard Olinsky aussi et avec Vincent Lagaffe, qui sont des personnes mais magiques. On a passé une soirée incroyable et je pense qu'on va beaucoup, beaucoup rire. Vous êtes blessé ? Non, je me suis. En vrai, ça s'est hyper bien passé. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis cette émission qui ont dit que c'était très dur, et physiquement. Je regrette tellement. Je devais le faire avec lui et Laurie. Ah, vous n'avez pas pu. J'ai pas pu le faire. Et je voyais leur story Instagram. Et puis le lendemain, je les ai appelés. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de pas le faire. C'était très, très dur. C'est très long. Ouais. Mais après. Cette année, on l'a fait pour l'association dont je suis parrain qui s'appelle Andy Surf. Oui. Et c'est une association où je descends dans le sud pour essayer de soutenir. C'est une association qui essaye d'aider des enfants en état de handicap à surfer. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas que des enfants, c'est tout type de personnes avec tout type d'handicap. À la base, c'était juste ciblé pour les enfants qui étaient atteints d'autisme. Et aujourd'hui, c'est pour tout le type d'handicap. Et c'est magique de se rendre compte en fait, qu'on est en train de se surpasser pour cette cause. Donc, en vrai, à la fin de la journée de tournage, quand on est lessivé, quand on a vraiment chié, parce qu'il n'y a pas un autre mot, désolé, c'était juste magique à la fin. En vrai, c'était un régal. Alors, on va revenir évidemment sur mon plus beau Noël. Dans ce genre d'émission, on a l'habitude de voir les candidats, hein. Pas hésiter à se tacler, de se mettre des petits taquets, évidemment, sur des choses qui n'ont pas été, des petites critiques, etc. Est-ce que cette critique, dans l'esprit de Noël, elle n'est pas un peu compliquée? Autant sur les émissions de cuisine, de W9... Ouais, mais que la première saison, toi, tu vois, tu viens de te faire piéger. Non, pas du tout. Non, je rigole. Parce que dans la première saison, c'est vrai que c'était un peu plus de tac. Ouais. Moi, j'ai gueulé. En vrai, j'ai dit, c'est de la merde, c'est pas possible, c'est la bienveillance, Noël. Donc... Non, je veux dire, c'était un peu trop poussé. C'était comme... Dans ce genre d'émission, après... Là, pour le coup, sincèrement, ils ne sont pas si taclos que ça. Ils sont vraiment bienveillants. Je pense qu'ils ont de la compétition, ils aiment la compétition, mais ils ne sont pas dans la méchanceté. Ils sont dans la vraie compète, mais ils ne sont pas dans la méchanceté gratuite. En vrai, quand je suis arrivé, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus challenge et plus même contentieux, tu vois. Et bien sûr. On sent que dans tous les couples, enfin je dis couple, mais tous les binômes qui ont joué le jeu, il y a cet esprit de Noël qui accompagne. Ouais. On a deux ou trois personnes qui vont sortir un peu du lot et qui sont peut-être un peu plus critiques. Mais en vrai… Il y en a toujours. Mais j'ai trouvé ça hyper merveilleux. De temps en temps, je me disais, mais il y a notamment, vous allez voir, un binôme d'origine italienne. Ah oui. Qui sont, tu te dis, mais c'est la bienveillance incarnée, c'est pour moi. Et c'est là où on se rend compte et où la note de l'esprit Noël est si importante, c'est que ce n'est pas une déco, ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose que les gens ont, cet esprit de Noël. Tu le sens, cette bienveillance, cet amour de partage, de générosité, tu le sens dans la personne. Et vous le verrez parce qu'en vrai, je trouve que la colonne vertébrale quand même de cette émission, et cette bienveillance, ce partage, c'est le feel good. C'est le feel good. Rappelez que vous n'intervenez pas du tout dans la notation. Hein. Vous faites juste moi, je voulais intervenir dans la notation. Ah, vous vouliez. Ça ne m'étonne pas. En fait, non, parce que je trouvais que c'était bien de donner un regard extérieur. Surtout, j'aurais aimé que, par exemple, il puisse donner un point bonus au repas qu'il a trouvé le plus incroyable, le plus sympa. Et moi, j'aurais voulu donner un point bonus pour la meilleure déco, le meilleur esprit de Noël. Je trouvais que c'était une note de... Voilà. C'était bien. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, alors, finalement? Parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas voulu. Peut-être que ça dépend ensuite de vous. Si peut-être un point supplémentaire ne dépend que de vous. Non, je pense qu'après, on n'est pas dans la maison, donc on n'a pas vu... forcément, on n'a pas goûté le repas, on n'a pas vu... Vous n'avez pas tous les éléments. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va les pousser. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se disaient, bon... J'ai peut-être pas trop le temps, je vais me mettre plus dans la déco
Et je vais peut-être acheter mon petit foie gras ou demander aux voisins de le faire. Et je pense que ça pousserait peut-être les gens à être encore plus créatifs et plus se donner plus de mal. Donc, c'est un petit message. Mais oui, puis à la finale, quand moi je suis dans le château là, et que je leur donne les résultats, il y en a plein qui me demandent « Non, mais si tu avais dû noter !» Ils me prennent à part et je les adore, mais je les aime tellement. « Non, mais par exemple, si tu avais dû noter, lequel t'aurais mis la meilleure note ?» Ah, écoute, Michel Donc, je pense que oui, ils ont envie que Juan ou moi, on les note parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'on a pensé de leur Noël. C'est normal. Damien. Oui, une question de Milena sur Twitter qui s'adresse à vous, Valérie. Elle reçoit du monde apparemment à Noël. Elle n'a aucune idée de la façon dont elle doit décorer son salon. Est-ce que vous pouvez lui donner quelques conseils? Les basiques, non? Les basiques, sapin, un énorme sapin ou plusieurs petits sapins. Quelle couleur? Les boules, les guirlandes, c'est quoi la mode? En mode de Noël, ça fait déjà un petit moment qu'on revient sur la tradition d'avant, donc des jouets en bois, du blanc, du très naturel, toujours le rouge, etc. Après, si Milena, elle a des enfants, voilà. Ça va être compliqué pour la déco, c'est ça. Énormément de guirlandes et de boules. Non, mais déjà, je trouve que quand tu mets plusieurs sapins, si t'as pas, tu vois, des trucs sur les murs à mettre et tout, déjà, ça donne une petite chaleur, ça entoure la déco, tu vois. Il y a plein d'endroits où si tu mets des sapins avec des guirlandes, des lumières, des petites guirlandes lumineuses, énormément de bougies. Déjà, ça passe. Alors moi, je vais poursuivre les questions internautes avec vous, Juan. Je suis nul en cuisine, je veux faire de la cuisine. Je suis vraiment pas très bon, je reçois 4-5 personnes. Qu'est-ce que je peux faire de simple et facile à réussir? Votre chapon, il a l'air délicieux, mais un peu compliqué. Pour le repas de Noël. Ouais, comme ça. Repas de Noël, qu'est-ce que je peux faire de simple? Moi, je pense que bon, le chapon de Noël, c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. Après, moi, qu'est-ce que j'aime? La dernière fois... à Noël, on était invité la veille de Noël. On a été invité chez un copain qui ne cuisine pas du tout. Pour le 24. Ouais. Pour le 24. Et il avait acheté un paleron de bœuf. Il avait mariné ça avec du vin rouge, un tout petit peu d'épices. Il y avait du poivre, un peu de genièvre, des oignons, de l'ail, des carottes. Et sans rien faire, hein, il avait mis ça au four pendant 6 heures dans un four à 160, 140 degrés. Et il l'avait un peu oublié, après il avait éteint, le truc il avait un peu séché, son jus était un tout petit peu trop réduit. Et mine de rien, le fait que ça cuise tout doucement, ce bœuf dans un vin rouge, avec cette garniture aromatique qui était limite trop cuite et qui avait lié la sauce, on avait fait ça sur des tartines de pain un peu toastées parce que ça avait vraiment fait comme de l'effiloché. Et on mettait ça sur du pain toasté et je m'étais régalé avec ça, c'était hyper simple, c'était en plus... un copain qui ne fait pas du tout la cuisine. Ah, c'est marrant. C'est un plat en plus qu'on oublie parce qu'on le laisse 5 heures au four à 140 degrés. Presque raté. C'est presque raté. Et il nous avait fait… c'était un bœuf carotte. Tout très confit. Il avait mélangé les légumes et toute la garniture aromatique avec cet effiloché. Et moi, en arrivant, je lui ai dit, c'est un peu sec. Il me dit, oui, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, toast un peu de pain. On va se faire un petit beurre avec des herbes, persil, un tout petit peu d'échalote. On tartinait ce pain chaud et on rajoutait le bœuf confit au-dessus. Et franchement, c'était un régal. Et ça faisait un peu, au lieu de la raclette, tu vois, c'était interactif. Il y avait le pain, il y avait le beurre aux herbes, il y avait le paleron de bœuf qui était confit. On s'est bien marré toute la soirée en plus. C'était assez cool et très, très simple. Sympa. On peut rater un truc et puis faire quelque chose de bien. Valérie, je voulais aussi qu'on termine avec vous. TF1 diffuse actuellement la 3e saison de La vie secrète des chats. Vous connaissez votre passion pour les chats. Il y a déjà eu 2 saisons diffusées à l'antenne. Est-ce que c'est une émission qui va se poursuivre? Est-ce que vous avez encore des secrets de chats à dévoiler, Valérie? Des secrets de chats, non. Mais à chaque fois, les chats sont différents. Puisqu'on va dans des villes différentes, on rencontre des gens différents. Ils sont même venus chez moi étudier Michelin. Bon, j'ai pas appris grand-chose que je ne savais déjà. Michelin. Mais je pense qu'il y a toujours des émissions. Moi, j'aimerais faire une émission avec des animaux, mais vraiment, c'est-à-dire aller voir les animaux. C'est ma deuxième passion après chanter du karaoké avec mes amis. C'est les animaux, donc. Mais je pense qu'il y aura une autre saison, oui, parce qu'il y a encore d'autres chats avec d'autres cas à part. Elle adore les licornes. Oui, c'est vrai. On va profiter de cette interview musicale pour passer à notre dernière séquence du buzz, le sucré salé.
Juan, vous êtes cuisinier, donc ça va vous parler. Valérie également, le sucré salé, vous savez, on vous fait deux propositions, vous choisissez sucré ou salé, l'une ou l'autre. Je sais qu'il faut choisir et que c'est difficile. Est-ce que vous êtes plutôt boule ou guirlande? Boule. Boule. Et vous? Boule. 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 Foie gras ou saumon? Ah bah, foie gras, je déteste le saumon, mais je mange... Enfin, le foie gras, j'en mange pas. Enfin, Juan, c'est difficile. Le foie gras est assez décrit en ce moment, évidemment. Non, moi, j'adore la truite fumée. Truite fumée. Ouais, d'accord. Je me sens pas la tangente. Truite saumonée, un peu. C'est ouais, ça. Ouais, une bonne truite, une truite de Banca ou une truite de lac en pisciculture un peu respectée, bien fumée, c'est très très bon ça. Plutôt bûche glacée ou forêt noire? Ah bah, bûche glacée. Ouais, bûche glacée, ouais. Je déteste la forêt noire, rien de plus dégueulasse. Hein. C'est vrai? Ah, c'est pas moi. Bah, la cerise à la crème avec le chocolat, mais oublie-moi, on dirait un gâteau de grand-mère dans les années 50. C'est un étouffe chrétien, c'est pas possible. Et moi, je suis pas très sucré, mais ouais, bûche glacée. Ah ouais, bûche glacée. Et pour vous, Juan, vous êtes plutôt Philippe Etchebest ou Cyril Lignac? Je suis plutôt Norbert Tarrère. Plutôt Norbert Tarrère. Ah d'accord, d'accord, plutôt Norbert Tarrère. Et... Ça va? Oui. C'est... Et vous, Valérie, plutôt Sophie Ferjani ou Caroline Kesslassi, qui vous ont succédé sur M6? Vous regardez plus? Non, je regarde pas. Moi, je suis plutôt... Je suis plutôt vous. Je suis plutôt moi. Je suis plutôt... ouais, je suis plutôt Flavie Flamand, tiens. Ouais. Flavie Flamand dans l'atelier d'M6. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Valérie Damido. Merci, Juan Arbelaez. Je rappelle qu'on vous retrouvera tous les deux aux commandes de la troisième saison de Mon plus beau Noël. Ce sera à 18h10. Vous ne ratez pas ça du lundi au vendredi. Il y en a jusqu'à Noël. Et de quoi vous mettre l'eau à la bouche et surtout de vous donner des idées pour le réveillon. Nous, Damien, on sera là demain. On sera là demain avec une actrice qui est un monument du cinéma français qui arrive en fiction sur François. Elle sera demain avec nous, Nicolas, en plateau. Elle est également au théâtre dans une reprise du premier roman de Guy de Maupassant qui s'appelle Une vie. Eh bien, c'est Clémentine Sélarié que nous recevrons demain sur ce plateau. Génial. Clémentine Sélarié, demain, ce sera à 9h30 pour un nouveau Buzz TV. Soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.